Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. On retrouve nos quatre petits cambrioleurs. Là où on les avait laissés, là où j'avais repris, si vous avez bien suivi, j'avais repris, refait le casse en fait avec d'autres persos puisque je me sentais complètement coincée avec la première fois, donc avec ma première équipe. Et là j'ai repris une autre équipe. Donc on a bien Lobkowitz, on a toujours Rufus, mais on a Bishop maintenant et on a Robomatic, je sais plus comment je l'avais appelé dans un autre épisode. Alors, nous avons un petit terminal de caméra ici qui va s'occuper des caméras. Oh, c'est pas mal. Il va quand même s'occuper des caméras qui sont dans la cour, pourquoi pas. On va le désactiver. La jauge de danger est quand même très bonne, donc on va pas forcément... utiliser un truc maintenant. Et donc le truc maintenant c'était d'aller, attendez je me retrouve, c'est... on doit agir là dessus il va falloir qu'on soit rapide, mais rapide de ouf hein. Qu'on active ça pour aller là, mais en fait il va falloir qu'on aille ici aussi, que je regarde un mec genre ici pour qu'il agisse là dessus On avait le Cléopâtre la dernière fois qu'il le faisait, elle l'avait bien parce qu'elle était rapide, c'est super. En fait, mais ce sera pas tout de suite en fait, c'est ici qu'il faut qu'on aille avant. Et là, le terminal des caméras est ici, et cette fois on a Bishop pour rentrer ici, donc on pourra garder un amur et résister à mes points au point de fer. Punaise, ça va tellement changer la vie d'avoir les bons persos, parce que ça va être une colonie de vacances quoi, bientôt. Bon, alors, on va désactiver ça. Et les autres vont venir ici, puisque normalement je crois que j'aurais besoin d'un peu tout le monde. Au travail. Du moins je préfère les amener tous au bon endroit. Le garde là, ok, on peut aller ici. On peut casser ça, récupérer un pied de biche, c'est pas trop mon intention. On a une porte ici qui est ouverte. Est-ce qu'elle peut nous amener quelque chose d'intéressant ? Et là on a... Ouais, d'accord. Ah, j'ai pas pris le truc de laser. C'est-à-dire que... Ouais, il faudrait que je désactive ça. Et après on peut désactiver... Oui, en fait on s'en fout. Ça c'était au tout début. Donc ça, on n'est pas obligé d'y aller. Bon, on va rentrer. On va aller ici. Et puis on va s'occuper de ce qui se passe là. Ici c'est pour ouvrir. On n'est pas obligé non plus. On va s'occuper de ça. Bah, je pense que ça va être vite fait, hein. Donc c'est plutôt bien. Rufus, tu peux venir là. Lobko, tu peux venir là. Bishop, tu peux venir là. Faire tout de suite ça. Et toi, tu peux venir là. Tranquillou bilou. Je pense qu'on est bien. Parce que lui, de toute façon, va repartir par là. Et il va pas les voir passer ici. Donc on est vraiment tranquille quoi. C'est la fête à l'estafette hein. Ici ouais, on a dit qu'on allait pas ouvrir. Toi t'ouvriras ça après. Sait-on jamais. Rufus, tu vas pouvoir mettre le point de fer. Toi tu récupères. Tiens, tu peux aussi défaire la caméra. Voilà! Et regardez, on a plus les caméras ici! C'est magique! C'est magnifique, c'est trop bien là. Je vais vachement rapidement là, avec Bishop qui ouvre les portes. Il est lent, mais il est très performant. Donc, Lobko, est-ce qu'on va avoir besoin de toi? C'est toi qui va venir ici. Pour l'instant. Ah ah! Il y a la caméra ici qui peut nous enquiquiner. Et la caméra, elle est... c'est ici. Comment je pourrais faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je passe par là? J'avais réussi à faire venir ici, c'était Rocket. Il faudrait que je vois. Il faut aussi ouvrir la porte là. Donc en fait, je suis quand même un peu emmerdée avec cette caméra. Il faudrait venir ici. Un petit peu impérativement, va-t-on dire. Alors, ça veut dire que je... Oui. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ouvre ici.
et qu'on s'aventure là. Pour défaire ici, on va peut-être envoyer Lobkowitz parce que c'est lui seul qui pourra désenclencher ça. Il y a des sous ici. Hein. Et puis la clé, il pourra l'ouvrir. Porte de sécurité. Porte de sécurité. Et après, il pourra ressortir là tranquillement. On va faire ça. On va envoyer Lobko. Lobko, donc toi, tu vas ouvrir ça. Il y a plein de trucs à faire. Tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. Toi, écoute, est-ce que tu peux te mettre là? Ou au pire, si comme je sais pas trop, lui, quand il va se réveiller, où est-ce qu'il va aller? On sait pas. On va déjà faire ça. Et maintenant? Toi, je vais te planquer aussi. Merde! Ah bah voilà, hein. Tant pis. Ça faisait pas partie du plan, ça. C'est ça. On va recharger, c'est pas grave. J'ai complètement oublié le mec. Oh là là. En fait, je crois que c'est vrai, le robot, je l'ai vu dans son descriptif, le robot n'est pas vu des gardes. Donc c'est un genre... genre un truc de dingue, quoi. Donc toi, à la limite, tu viens là, t'ouvres pas la porte. Pas trop de problème, moi. Tant que la porte n'est pas ouverte, c'est bon. Ouais, voilà. Ça, je préfère. Bon, il fallait bien que je merde à un moment donné. Attendez, je vais remettre les infos sur les gardes. Voilà. Et non, alors... C'est parti. Tu peux ouvrir ça quand même, toi. T'es à côté. Non. C'est quoi le topo? Le topo, c'est que tu vas te planco ici haut. Hop. Toi. Ouais, ouais. J'ai envie de dire, on va te planquer là. Et Rufus, tu vas venir aussi te planquer ici. On en profite que lui soit le dos tourné. Juste pour voir sa réaction à lui. Et une fois qu'on voit ce qu'il fait, on envoie Lobkowitz... Dans la jungle avec les deux gardes. Logiquement, lui, ce sera pas un danger parce qu'il est loin. Il y a que lui qui peut être chiant. Bon, ils sont tous là. On va attendre que lui se réveille. Ouais. Alors, il y a moyen que peut-être il interagisse avec cette porte ouverte là. Je sais pas. Je pense pas, hein, mais ils sont un peu con-con quand même, les gardes. On va attendre, on va voir ce que ça donne. Pendant ce temps-là, lui, il revient, c'est tant mieux. Comme ça, on sera pas emmerdé. Après, je les remettrai tous ici. Non, vous voyez, il n'interagit pas avec cette porte. C'est beaucoup mieux comme ça. Faut que je reprenne la patrouille. Ok. Technicos, pareil. Elle est où la porte? Elle est là. Plus il tourne le dos. Il tourne le dos. Le tourne dos. Toi tu viens là. Ouais. Toi tu viens là. Et tout tout tout. C'était Nono le petit robot que je l'avais appelé, je me souviens. Voilà, ça m'est revenu comme ça. Faudrait pas que Lobkowitz se fasse voir dans l'intervalle interstice de la porte. Logiquement non. Ok. Là on est bien. Maintenant on va se concentrer sur Lobkowitz. Lobkowitz, il pourrait aller par là. Sauf que lui, il va revenir et va regarder tac par là. Donc on pourrait se faire griller de ouf. Je préfère attendre qu'il parte vraiment par là. On va attendre. On va juste dealer avec celui-là. Là, ils vont se faire coucou. Coucou mon chou. Ça va, Guitou? Bah oui, et toi? Voilà. Coucou, salut, ça va? Oh, t'es beau, oh, t'es beau, oh oui, t'es beau. Ok, là, tu vas pouvoir sortir. Après, il est par là, on est tranquille, hein, il va pas regarder. Ce qu'il faut, c'est que tu viennes, genre, là. Oh, la vieille save, là, ça me fait peur. Quand ça fait le petit machin, là, c'est que le jeu est en train de me faire une save. Tu vas venir là. Tu viens là. Le plus planqué possible.
Normalement, c'est bien là. Oh, heureusement que je l'ai mis au fond. Oh non, il va se faire voir! 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 Dépêche-toi! Dépêche-toi! Le stress, non, c'est bon! Fichtre! Bon Dieu de bonsoir de. Pouh! Oh, je vous jure. Je suis dans tous mes stress. Donc, on est OP, il n'y a plus de caméra ici. Tu vas ouvrir la porte grâce à ta petite clé. Nickel. Franchement, j'aime trop ce jeu. Quand on a les bons personnages, c'est fou comme ça. Ça coule de source comme ça. Là, je vais finir. En fait, l'épisode, je vais réussir à aller ici sans problème, je crois. Hein. Alors que la dernière fois, je vais galérer. Bon, après, je sais mieux comment ça fonctionne, mais... On va attendre que lui... Quoique non. Viens chercher les sous. Et voilà, il regarde là avant. Ça, c'est quoi? On s'en fout. Tu peux te mettre là. Non, tu peux... Non, pas trop trop au bord. J'ai toujours peur. On va te mettre là. Voilà. Hein. C'est tout juste au gus. J'aurais pu le mettre dans la voiture. Ça, oui, je savais. Ok. Alors, ça va être maintenant. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de Bishop qui aille là, ouvrir et activer. Et pendant ce temps-là, on va envoyer notre petit Lobco juste derrière lui quand lui sera passé. Ou alors je le fais assommer par, par refus. Je pense aussi que c'est ce qu'on va faire, ce sera peut-être mieux. Donc tu vas venir là. C'est déjà ça. Dès qu'il sera sur le chemin par là, on attaque. Ok. Rufus. Bishop. Je sais pas si... Est-ce qu'il va l'attaquer à temps ou pas? Alors attends. Dans ce cas-là... Tu te mets là. Voilà. Maintenant tu peux. Tu viens là. C'est quoi le topo? Et toi tu viens là. Et Nono le petit robot. Bah Nono le petit robot. Je suis bête. Nono le petit robot il peut aller là. Il sera pas vu par les gardes. Regardez. Distorsion visuelle robomatique 2000. Peut traverser les cônes de vision de la caméra sans augmenter la jauge de danger. Peut traverser les dalles électrifiées. Robomatique 2000. Peut traverser le cône de vision des gardes. Pas leur rayon de perception sans être vu. Attendez. Le cône de vision des gardes. Pas leur rayon de perception. Moi pas comprendre. Tu vas... Je sais pas. Tu vas aller... Tu vas aller là. Hop. J'attends. Alors si vous entendez du bruit, les tac 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 tac, tout ça, vous inquiétez pas, c'est une très très bonne nouvelle, puisqu'on est en train d'installer la fibre dans mon immeuble. Donc je suis très contente qu'il fasse du bruit, moi ça me dérange pas. Et j'aurai bientôt la fibre, et donc ça veut dire que je pourrai bientôt faire des lives, donc c'est trop cool. Voilà, c'est juste pour dire... Et j'ose pas trop parler fort aussi, d'ailleurs, parce que j'ai pas envie qu'ils m'entendent et qu'ils me disent « mais elle est folle ». Alors, toi, c'est bon. Attendez. Cette porte, donc ça veut dire qu'il faut... Une serrure accrochée. Toi, tu peux... Tout va bien ? Oui, c'est ça. Tu vas faire ça. Toi, tu continues à l'assommer, hein, on est d'accord. Et maintenant ? Oui. Tant que le truc continue... Mais qu'il est con ! Ouais, ouais. Mais il est con ? Mais il est carrément con ! Je lui ai dit de se désactiver, il va dessus, lui, ce débile ! Non mais...
ne dites-moi pas qu'on va merder à cause de ça. Mais il est con, ce... Attendez, oh, je me suis trompée. Ça va barder. T'oublies pas de puncher, celui-là. Ça me fraise un coup. Oula. Je me suis gratté le nez. C'est parti en vrille. Voilà. Et toi, tu peux pas ouvrir cette porte-là, si... Prêt à en découdre. Faudrait que je fasse aller... Mais lui, tu m'inquiètes, Loco. T'es con. Je te jure. Heureusement que ça m'a pas augmenté ma jauge de danger. Et après, il y a lui qui va entrer en scène. Pardon. On va y arriver, les gars. Les gars, les filles, tous ceux qui me regardent. Ouais, tous ensemble. Wow. Wow. Alors, ça ouvre ou pas? Ça ouvre. Je sais plus. Réactive. Je me souviens plus si ça ouvre ou pas. Non, ça ouvre que cette porte-là. D'accord, j'ai rien dit. Donc, faut qu'on fasse Nono le petit robot. Faut juste attendre que lui soit parti. Bon, on va attendre. Hein. J'ai pas trop tôt de choix. La vision, dès qu'on part un peu trop sur le côté, le truc bouge et tout. Je crois qu'on est bien, les gars. Je crois qu'on est bien. Oui, on est perfect, j'ai envie de dire, les mecs. Tu peux venir là. Tout le monde. Ouais. 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 Plein de serrures à crocheter. Non, j'ai pas dit que tu devais partir. J'ai dit que tu viens jusque là. Je l'ai fait venir. Seulement là. Et si tout va bien. C'est parti. Si tout le monde arrive à bon port. Faut pas que lui se réveille trop vite. Parce que sinon c'est le caca. Oui. Du coup on va tous les... Je suis trop contente. Ça marche trop bien. Je suis trop forte. Yes! J'ai réussi ce bout de mission. Ah, je suis trop contente. On sait déjà que la pierre de lune vaut son pesant de cacahuètes. Tu te rappelles la livraison que Murray a reçue de la centrale nucléaire? On connaît son goût pour le bricolage. Tu veux dire qu'il veut utiliser la pierre de lune pour construire quelque chose? Ce n'est pas inconcevable. Bon. On récupère les rapports aux archives et dans le bureau du directeur scientifique, puis on descend. C'est ici. Et c'est ici. Eh bien, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode, maintenant que j'ai bien réussi la mission encore plus rapidement que la dernière fois, parce que j'ai les bons bonhommes. Et parce que je connais ici un peu la map. Eh bien, je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de Crooks The Big Heist avec la super bonne équipe. Et vous et moi. Allez, des bisous, ciao.